besoin de personne pour bégonner. C'est ça l'avancée ou qu'avancer. Si vous aimez un jour qu'elle récolte, pas ni temps à perdre, vous décidez. Pas fond ça ouvrez tout, pas fond de prendre l'eau, vous pouvez échanger, même si vous freinez. Pas fond de dire où qui est arrivé, oh yeah. T'es que l'air dit, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. T'es que l'air visé la ligne pour finir si on s'étoile, oh yeah. Yalla, 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 yalla. Allez, soit les personnes pour pétouler. Si vous avez d'avancé ou avancé. Salut, comment tu vas? Ça va, ça va.
Super, super. Alors, un petit live au Salon Mangrove. Ouais, live au Salon Mangrove, écoute, tout un honneur, un plaisir. Enfin, j'ai enfin eu l'occasion de me produire dans cette salle où tous les artistes passent. Et puis le public, une ambiance magnifique, un cadre de rêve. Et puis surtout, les gens, ils sont chaleureux, c'est ce que j'ai aimé. Donc c'était pour toi une étape importante, le Salon Mangrove? Oui, c'est quelque chose, c'est vraiment un lieu à faire quand on est artiste. Je pense que tu sais, il y a des lieux comme ça où les Antilles se réunissent et on a envie d'y aller, mais c'est pas forcément le bon moment. Moi, pour ma part, je suis souvent en Guadeloupe, en Martinique, et ça m'empêche un peu d'être sur la France. Et là, je suis de le passage pour le tournage de mon clip, Yala Yala, qui va annoncer l'album qui va sortir bientôt. Et donc voilà, moi j'ai cru bon de faire cette date-là avant de partir, ce soir même pour la Guadeloupe. Alors là, t'as un titre en rotation, tu viens de nous le dire, là, c'est Yala. Ouais. Qui annonce bientôt aussi la sortie de ton album. Ouais. Écoute, Yala, pourquoi? C'est un truc qui parle d'un message d'espoir. Yala, ça veut dire va de l'avant. J'ai choisi ce titre-là pour annoncer l'album parce que je pense qu'après des années de galère, il faut le dire, les artistes, c'est des galères, c'est beaucoup de travail juste avant. Et pour ma part, ça a été le cas. Et je pense que ça a été le meilleur titre, le titre le plus approprié pour vraiment annoncer la présentation du travail de toutes les années que j'ai pu passer auparavant. Donc si on peut le rappeler aussi, tu fais partie de cette génération qui a été découverte à travers le web. Ouais, voilà. On peut le dire, ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être arrivé à ce stade, après toutes les étapes justement que tu viens de passer? Bah écoute, j'évite de regarder en arrière parce que franchement, je me dis que je me vestis tellement quand je vois de la masse de travail donnée pour arriver à cet aboutissement. Et quand je regarde derrière, je t'avoue que ça me fait un peu peur parce que je me dis la masse de travail que j'ai déjà donnée et celle que je regarde qui reste à fournir, ben, je m'occupe du présent, je pense au travail, ce que je fais aujourd'hui, puis demain est un autre jour. Quoi. Tu as un titre aussi qui a fait pas mal parler de lui, qui s'appelle Premier Fois. Ouais. Hein? C'est un titre un peu compact, qui sonne très bien. Qu'est-ce que tu aimes beaucoup d'ailleurs. Ah, énormément. Il faut le dire. Énormément. Il faut le dire. Énormément, qui sonne bien. Ouais. C'est Stanisky qui a bossé sur ce morceau. Ouais, il a réalisé le son. C'est-à-dire que pour ce son-là, on a fait appel à des Haïtiens qui vivent à Boston pour la plupart, d'autres en Haïti, je crois. Et puis, où est-ce qu'ils se localisent en ce moment. Et donc, on a voulu garder l'essence même de la musique compact. Qui ferait mieux un compas qu'un haïtien lui-même. Et donc, on s'est donné les moyens d'avoir des haïtiens qui jouent en live sur ce morceau-là, et moi qui interprète et Stanisky qui réalise par derrière. Voilà. Et selon toi, comment est perçu ce morceau? Ben, on a eu un accueil très très chaleureux aux Antilles. Et les radios ont super bien joué le jeu, les gens qui l'entonnaient comme pas possible. Et même moi, j'étais surpris de l'accueil du titre, puisque forcément, j'arrive avec le compas, je suis jeune. Pas quelque chose qui se fait couramment avec un clip qui est un peu hors norme dira-t-on. Et donc, je suis moi-même surpris de ce qui m'arrive, je me dis que chaque jour je remercie un peu tout le monde, un peu les gens qui m'entourent, j'ai une belle équipe qui m'entoure, des gens qui me soutiennent et puis je pense que c'est ça le maître mot de tous les temps. Ok Anthony, mais on te remercie. Bah, c'est moi qui te remercie. On te remercie pour le travail que tu accomplis, pour la musique que tu nous livres. C'est moi. C'est une très belle musique. Merci beaucoup. Et puis on te souhaite bonne chance. Une bonne chance pour ton album. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Oh,
Thank you.
Mal pesa. Votre mission, si vous l'acceptez, sera de chanter le refrain entièrement. Vous êtes prêts? Oui. Vous êtes prêts? Oui. On va y aller. Vous l'avez retenu? Il est plutôt simple. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes plutôt élevés pour chanter le refrain. Et même si on en avait, on le chanterait quand même. Vous êtes prêts? Non, ne me dites pas qu'il n'y a aucun diplômé dans la salle. J'en doute fort. Alors je vous ai dit. Première fois, moi, on m'a crié au chéri. C'est parce que moi, tu es jacaoué en dehors, chéri. Première fois, moi, on m'a crié au chéri. C'est parce que moi, tu es jacaoué en dehors, chéri. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.